Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny. In the richest girl. Uh-huh. Vient d'admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money, money. Ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi ? Le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour. Bonjour. Monique, tu vas bien? Tu te présentes, Monique? Oui, très rapidement. Monique Selim, je suis anthropologue. J'ai travaillé dans beaucoup de pays communistes, post-communistes, devenus dictatures nationalistes comme l'Ouzbékistan. Et j'appartiens au CESMA, auquel appartient aussi ASEN. Et CESMA, donc, qui est le Centre d'études en sciences sociales sur l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, et qui appartient à l'Université de Paris. Et nous appartenons d'autres au même axe. Dont je vais te laisser donner le titre entier à Sen. Oh là là. On étudie les transformations du marché du travail, la financiarisation de l'économie. Et là, je donne les thèmes. Hein. Le titre, il reprend tout ça. Aussi le genre, la question du genre que nous posons, que nous traitons. Et j'en oublie un. Il y avait l'environnement. Et l'environnement. Comment ai-je pu oublier l'environnement, bien entendu. Et l'environnement. Exactement de la question sociale à la question environnementale. C'est ça, c'est ça. Voilà. J'aime bien quand tu dis qu'on appartient à cette idée d'appartenance, elle est tout à fait intéressante. Parce que justement, moi je suis membre associé au CESMA, Monique, et je suis également membre du CREE qui étudie les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est et plus spécifiquement ce post-communisme-là. Et voilà. Et donc, Monique, donc, est anthropologue, elle a dit, moi, je suis économiste. Et donc, on va faire de l'économie, du dialogue interdisciplinaire entre l'anthropologie et l'économie, sachant qu'on n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes objets en général, le même vocabulaire. Donc, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner aujourd'hui sur la question ? Je vais rappeler à ce propos qu'on avait, donc, dans notre équipe, publié il y a longtemps un livre qui s'appelait « L'argent des anthropologues et la monnaie des économistes ». Et je crois qu'on va parfaitement illustrer cette manière de parler de la même chose ou de choses différentes dans la mesure où moi, je vais parler principalement de l'argent et absolument pas de la monnaie, et principalement de l'argent tel qu'il est utilisé et tel qu'il est représenté par les gens dans des contextes différents. Je vais essayer de pas trop parler de la monnaie, mais je crois que par déformation disciplinaire, je vais en parler. Mais je vais essayer aussi de parler de l'argent vu par un économiste. Tu verras ce que ça va donner. Je te propose d'attaquer avec la première question. Avec la première question, l'argent et la monnaie. Contexte, oui. Patience, parce que je crois qu'il y a un générique. À toi de jouer, Monique. Bon, oui, donc comme je le disais, j'ai parlé des pratiques et des représentations de l'argent dans des contextes différents que je vais essayer de comparer très très rapidement, des contextes dans lesquels j'ai travaillé très précisément avec des investigations de terrain dans lesquelles je me suis immergée, c'est-à-dire d'abord le Vietnam et le Laos, qui sont des États partis communistes converti au capitalisme, donc ce n'est pas du tout l'effondrement du bloc communiste, mais en revanche l'Ouzbékistan,
qui est une dictature nationaliste post-soviétique, soit effectivement post-communiste. Et je pense qu'on va introduire la Chine, qui est l'axe de comparaison majeur dans la mesure où c'est le modèle chinois, en fait, qui a guidé les États partis communistes qui restent toujours en place, et où on est effectivement dans un État parti plus le marché, plus une numérisation exceptionnelle, qui fonctionne comme un modèle général. Alors d'abord, une chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour comprendre l'argent dans ces États partis, dans ces sociétés gouvernées par des États partis communistes, convertis au capitalisme, il faut revenir aussi sur qu'est-ce qui s'est passé du capitalisme au communisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec les révolutions communistes, et en particulier qu'est-ce qui s'est passé dans les mémoires et les histoires de vie des gens. C'est seulement à partir de là qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en passant du communisme à la conversion capitaliste de l'État parti. Alors, si on regarde précisément les choses, je veux dire, c'est moi ce qu'il me semble fondamental de dire, c'est que à chaque fois, les usages et les pratiques et les représentations de l'argent sont liés à la figure imaginaire de l'État, et à la figure aussi bien sûr réelle de l'État, mais surtout à la figure imaginaire. C'est-à-dire que les révolutions communistes s'instaurent dans la violence et dans l'imposition à l'immense majorité des populations. Et ensuite, les États partis gouvernent dans un premier temps, mais aussi souvent dans un temps long, avec la terreur et la répression. Ce qui provoque une immense défiance vis-à-vis de l'État et une immense peur de l'État. Et ça, d'autant plus que, en général, la dévaluation de la monnaie après les révolutions communistes a non seulement ruiné les élites, mais a aussi ruiné les couches moyennes. Je me rappelle toujours au Laos, j'étais dans la province de Vientiane, et je me rappelle dans une très belle maison traditionnelle qui était un notable villageois qui avait eu une voiture, etc., qui me racontait la révolution. Donc, je rappelle que la révolution au Laos, l'État parti s'installe en 75, et qui me disait, j'avais une belle voiture, elle était là, mais en 1975, mon argent, je n'avais pas de quoi acheter un litre d'essence pour mettre dans cette voiture. C'est-à-dire qu'on a une mémoire qui perdure et qui est transmise aux générations les plus jeunes et qui a pour résultat de privilégier fondamentalement l'argent liquide, non seulement dans les rapports interpersonnels, dans les transactions interpersonnelles, mais aussi dans les rapports de corruption qui gangrènent les établissements publics de toutes sortes, que ça soit le soin, que ça soit l'école, les universités, etc. D'où aussi une méfiance extrêmement grande à l'égard du système bancaire et une méfiance qui est véritablement à l'aune de la terreur de l'État. C'est-à-dire, si je compare, la plus forte au Laos, la moins forte au Vietnam, et en Chine, on est dans un autre contexte, puisqu'effectivement, on est passé à une monétisation numérique généralisée de la quotidienneté et une incorporation du marché dans tous les champs sociaux, ce qui donne bien sûr une tonalité différente. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que l'argent liquide, par exemple, même en Chine, est privilégié dans des cas particuliers avec les étrangers. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en Chine. J'étais à l'université Sun Yat-sen à Canton, et on me demandait de payer. J'étais dans la résidence des professeurs étrangers, et je devais payer mon loyer en argent liquide. Ce n'était pas rentable. Et ça, c'est très récent. C'est jusqu'aux années 2016-2017. Et de la même façon, rentrer dans un hôpital n'était pas possible, il arrive quoi que ce soit, rentrer dans un hôpital n'était pas possible sans effectivement avancer une somme d'argent liquide. Donc il reste tout de même ce type de mémoire en Chine. Voilà, bon, c'est un premier point. Peut-être que tu peux. Oui, je vais rebondir, tu vois, parce que c'est intéressant ce que tu dis, et j'aime bien la démarche des anthropologues pour tout dire. Et je me demande même si
je suis pas un peu anthropologue en fait dans le fond. Alors évidemment, moi j'ai une approche des pays post-communistes comme un économiste, beaucoup d'un point de vue théorique. Mais par chance, comme tu le sais, je suis né en Bulgarie et donc j'ai énormément connu la Bulgarie déjà avant l'effondrement du système socialiste. Moi, je l'appelle socialiste. Et puis je l'ai connu après. Et donc, si tu veux, toutes les expériences que tu livres, eh ben, je vois tout de suite des images qui m'apparaissent dans le cas bulgare. Alors, juste pour poser un peu le débat pour nos auditeurs, alors nous, en économie, on a plusieurs manières de définir ce que c'est qu'un système socialiste. Si on repart de Marx, tu vois, le système socialiste, c'est juste une phase de transition entre le capitalisme. Alors, chez Marx, tout est déterministe. Hein. Le capitalisme, il s'effondre comme ça, de manière déterminée. Ensuite, on a cette phase de transition et ensuite, on bascule dans une société communiste, d'abondance de biens, de partage, de tout ce que tu veux, où il n'y a plus de monnaie d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a plus de monnaie dans le communisme, il n'y a même plus d'État. Donc, pour reprendre. Enfin, c'est la fin de l'argent aussi. voilà, c'est la fin de l'histoire, la fin de l'argent, la fin de tout. Bon, et la fin évidemment, de l'État, hein. Entre très le capitalisme. C'est aussi la fin de l'État. Et la fin de l'État, ouais. Entre les deux, bah, tu as cette période que toi-même, tu as approché avec le Vietnam, le Laos, l'Ouzbékistan, la Chine. Moi, je l'ai approché avec l'URSS, avec tous les pays satellites de l'URSS en Europe de l'Est. Et alors, pour poser le système, et puis ensuite, je vais tout de suite aller vers la monnaie rapidement, enfin, vers l'argent ou la monnaie, je ne sais pas comment l'appeler. Je vais utiliser un bouquin de Bernard Chavance, qui est un de mes anciens enseignants. Et lui, il a étudié les réformes dans le système socialiste. Il a dit, à chaque fois qu'on a essayé de réformer ce système qui était dysfonctionnel, eh bien, il y a des choses qui se réformaient facilement et d'autres choses qu'on pouvait pas réformer parce qu'elles étaient super dures. On pouvait pas les toucher. Et donc, ben, en fait, il les a classées. Et dans la boîte hyper dure, qui finalement donne les piliers de ce système dans tous les pays du monde, il a mis ce qu'il a appelé le socle institutionnel, il a mis le parti communiste ou le parti unique, et il a mis la propriété collective des moyens de production. Ça, c'est le hyper dur, tu peux pas réformer. Ensuite, dans la deuxième boîte, qu'il a appelé la planification, bon bah là, il dit, bah là, il y a des variantes. Il y a des variantes entre les différents pays, etc. Tu as des planifications plus ou moins dures qui acceptent plus ou moins le marché. Donc, la verticalité du plan, bah, des fois, elle est contrecarrée ou complétée par l'horizontalité du marché. Et puis, enfin, derrière, il met les autres éléments. Alors, dedans, tu as les réformes agraires. Est-ce qu'on a collectivisé ou pas? L'ouverture au commerce international. Il y a des pays socialistes qui étaient toujours un peu ouverts au commerce et d'autres qui étaient très fermés. Voilà, donc ça, c'était pour reposer un peu le contexte général. Et ça va même nous être utile pour la question suivante. Et là-dedans, figure-toi que la question de la monnaie, elle a été, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Est, et tu réagiras par rapport à ce que tu connais du Vietnam, du Laos, la question de la monnaie, elle a été finalement assez centrale pour les autorités dans les pays d'Europe de l'Est, puisqu'ils l'ont vécu comme un ennemi. La monnaie, c'était un peu l'émanation du capitalisme, quoi. C'était un truc, il fallait la maîtriser, en tout cas. Et donc, ils ont bâti tout un système de banque avec une banque centrale en URSS, elle s'appelait la Gosbank. Et dans cette banque centrale, eh bien, on lui demandait de tenir les comptes en fait, de toutes les unités productives du pays. Et donc, elle était chargée du plan monétaire, en quelque sorte, des règlements monétaires entre entreprises. Et le but, et je vais dire un gros mot en quelque sorte, c'était d'organiser la non-fongibilité des unités monétaires. La non-fongibilité, je suis sûr que tu vas réagir par rapport au Vietnam ou au Laos. Alors, pour les personnes qui, évidemment, ne connaissent pas ce mot, la fongibilité, c'est le fait que quand vous avez une unité, par exemple, d'euros, qu'elle soit écrite sur votre compte bancaire ou qu'elle soit sous forme de pièce dans votre porte-monnaie, etc., quelle que soit sa forme, en fait, elle a toujours les mêmes propriétés. On dira alors que la monnaie est fongible, c'est-à-dire que tout le monde la reconnaît comme une unité d'euros, quoi. Voilà. Alors que organiser la non-fongibilité, ça veut dire que selon l'endroit et selon la sphère dans laquelle elle circule et sa forme, eh bien, cette monnaie n'aura pas la même valeur qu'une autre qui circule dans une autre sphère de la société. Je vous donne deux exemples dans le cas soviétique. Pour la sphère productive, c'est celle des entreprises, quand elles se font des échanges entre elles, parce qu'elles doivent en faire, vu que le plan ordonne qu'elles s'en fassent, eh bien, à ce moment-là, eh bien, la monnaie sera scripturale. Sa forme sera écrite dans les comptes de la banque centrale et c'est la banque centrale qui organisera les mouvements. Et le but, c'est que cette monnaie-là, elle soit complètement... Donc là, c'est un instrument d'échange. Et que ça soit complètement déconnecté de la monnaie de la sphère de consommation, qui est celle de nous, les consommateurs, même dans les pays socialistes, il y a des consommateurs qui vont dans des magasins acheter des choses. Et là, cette monnaie-là a d'autres propriétés. Et le but, c'est de rendre ces deux dimensions étanches
Et comme Monique l'a dit, pour qu'à terme, il y ait la disparition de tout, de l'État, de tout ce que vous voulez, donc y compris de la monnaie. Donc, mon petit exposé, là, ça te fait réagir, Monique ? Oui, tout à fait. Ça me fait réagir puisque tu as ouvert sur le monde post-communiste. Et ça me fait réagir. Je vais donner un nouvel exemple, une pratique de l'argent, qui est celui de l'Ouzbékistan des années 2000. Donc, l'Ouzbékistan, qui était une ancienne république soviétique, et où, effectivement, la terreur de l'État est extrême, parce que là, on est passé dans une dictature nationaliste bien plus autoritaire, bien plus terrorisante que ne l'était l'État soviétique. Et on est dans une situation, en tous les cas dans les années, puisque c'est dans les années 2000-2005 exactement que j'étais en Ouzbékistan, on est dans une situation où il y a un problème de liquidité de l'argent permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent et finalement, je veux dire, c'est tout se pense en dollars, comme d'ailleurs au Vietnam dans les années 90. Et on est dans une situation où il y a une telle corruption qu'en fait, l'avidité pour l'argent liquide est de plus en plus forte et en même temps, la défiance vis-à-vis de l'État est extrêmement forte. D'où on se retrouve en fait dans l'imaginaire des gens et dans l'ensemble des représentations avec une nostalgie extrêmement importante vis-à-vis du régime soviétique. Tout d'abord parce qu'on était dans une gratuité des services et d'autre part parce qu'on était dans un faible prix des voyages et des possibilités de circuler dans un immense univers qui était tout de même celui de l'Union soviétique. Et qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent enfermés, en fait, dans un petit pays national qui est l'Ouzbékistan, sans pouvoir en sortir, puisqu'ils n'ont pas assez d'argent. Et en plus, ils n'ont pas l'autorisation de l'État, puisqu'il y a un système extrêmement fort d'autorisation. Alors, je veux dire, moi, je pense qu'il faut à ce moment-là, dans ce type de pays post-soviétique, poser la question, comment l'argent est investi, en fait ? Et je voudrais juste donner un exemple qui ne correspond pas à l'Ouzbékistan, mais qui correspond plutôt à la Géorgie et qui part du travail d'une thèse d'un Géorgien qui s'appelle Shalva Maminashvili. J'étais à son jury de thèse il y a peu de temps, enfin c'était au mois de juin, au mois de mai. C'est un psychanalyste et en fait, toute son analyse et toute son expérience avec les gens, c'était de montrer que cet argent aujourd'hui était réinvesti dans quoi ? Dans le contexte post-soviétique, véritablement dans le religieux, mais en même temps avec une logique de compétition capitalistique extrêmement forte. C'est-à-dire que les gens étaient en compétition, les villages, les villes, les quartiers, etc., pour construire les plus grandes églises, pour construire les plus grandes croix, pour avoir des cérémonies religieuses les plus coûteuses, pour avoir les baptêmes les plus traditionnalistes, plonger les enfants, les bébés dans l'eau glacée et en même temps avoir une assistance énorme, pour multiplier l'eau bénite, l'huile bénite, etc. Bon. Et donc, je crois que cette question où est réinvesti l'argent est importante. Hein. Je veux dire, elle n'était pas du tout, l'argent n'était pas réinvesti en Ouzbékistan dans le religieux. Au contraire, en fait, de toute façon, le manque d'argent en Ouzbékistan faisait que, je veux dire, les gens étaient plutôt dans la déploration de ce manque et de la déploration et le sentiment d'être véritablement en prison. Mais je crois que c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois. Et si je prends le cas du Laos, mais donc je reviens à un contexte d'État parti communiste, mais qui a eu sur le modèle chinois une ouverture au marché dans les années 90, l'argent était de la même façon réinvesti, mais alors là, auprès des médiums et auprès des rites sur les génies. Donc, il y a toujours, mais on n'était pas en manque d'argent. Hein. Alors, les arbres de mérite bouddhistes étaient évidemment constellés de dollars, beaucoup plus que de la monnaie locale, mais on n'était pas dans un manque, disons qu'il n'y avait pas un problème de liquidité de l'argent. Bon, voilà, je pense que cette question est importante. Et puis, une deuxième question, et peut-être tu réagiras là-dessus avec ton expérience bulgare. Sur la différence homme-femme dans l'investissement de l'argent. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien après, et ça je pense que c'est assez général, hein, c'est aussi bien dans les pays dits de l'Est, les pays satellites, que dans les pays communistes les plus lointains. En fait, après la chute de l'URSS,
ou après le passage au capitalisme dans les États partis communistes, on a une perte de travail, de statut, de valeur des hommes, etc., qui en Russie vont sombrer, ou en Ouzbékistan d'ailleurs de la même façon, dans l'ère soviétique, vont sombrer dans l'alcoolisme. Et on a, au contraire, pour les femmes, une gestion au jour le jour qui, en fait, vont rapporter de l'argent, mais en acceptant leur perte de compétences, leur perte de valeur, en quelque sorte leur annulation, et qui vont s'employer au premier venu. Moi, j'ai vu, je pense à un couple d'universitaires, quand j'étais en Ouzbékistan, les universitaires étaient à peine payés $20, un professeur d'université. J'ai un couple, donc j'avais un professeur d'université qui travaillait avec moi, qui est mort malheureusement, et sa femme était aussi professeure d'université, ils s'étaient mariés, ils étaient dans le même département de français à Tashkent, et en fait elle était devenue domestique et gardienne d'enfants pour un potentat, je veux dire un homme d'ailleurs assez louche, avec sa femme qui était française. En revanche, lui était professeur d'université, était resté professeur d'université. Donc il y a, je veux dire, il faut aussi poser la question du rapport entre statut, valeur que les gens s'accordent et rapport à l'argent, et ça dans une différenciation homme-femme, dans des contextes où les grandes entreprises d'État ont été fermées, où il y a eu une reconversion générale des statuts, etc. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question, cette problématique post-soviétique. Ouais, ben c'est intéressant. Alors, effectivement, ce que tu décris sur l'Ouzbékistan, je commence à le rapprocher de ce que je connais en Europe de l'Est. Par contre, avec le Vietnam, le Laos, c'est des cas qui sont, c'est plus des cas d'évolution en quelque sorte. Alors que dans le cas de l'Ouzbékistan, dans le cas de tous les pays que je connais en Europe de l'Est, c'est plus une rupture, un effondrement net, tu vois. Et quand je t'écoutais, ce qui était frappant, si je ramène à l'argent, ce qui est frappant, c'est que effectivement, avant, du temps du socialisme, je me souviens de ces liquidités, notamment en Bulgarie, puisque j'y allais régulièrement, et je me souviens que tout le monde avait beaucoup d'argent, c'est-à-dire des salaires accumulés. Je ne dis pas que les salaires étaient élevés, mais des salaires accumulés. Pourquoi, Monique? C'est parce qu'en fait, on était dans une forme d'économie de la pénurie, pour reprendre la définition d'Janos Kornay, par exemple, le hongrois Kornay. Oui, je connais très bien, j'ai lu. Voilà, avec sa contrainte budgétaire molle. Tout à fait, oui. Bon, ben voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le paternalisme de l'État dans ces sociétés qui fait que l'État subventionne toujours les entreprises, même si elles ne sont pas viables. Résultat, les entreprises développent, vu qu'elles reçoivent un plan qui est tout le temps très fort et qui les pousse à être productivistes, eh ben, elles vont développer une mauvaise habitude qui consiste à tout le temps demander des rallonges à l'État en permanence, et donc on dira qu'elles ont une contrainte budgétaire souple ou molle. Elles demandent tout le temps plus de rallonges de tout. Alors, ça a des bons aspects, parce que comme elles demandent de tout le temps, elles vont aussi demander toute la main-d'œuvre. Donc, il n'y aura plus de chômage sur le marché du travail. C'est les entreprises qui font la queue sur le marché du travail pour avoir des travailleurs, etc. Elles demandent de tout partout. Bon, à partir de là, le seul petit problème, c'est qu'à force de faire ça, et c'est le point final, en quelque sorte, l'arrivée de ce raisonnement de Kornay, c'est que du coup, on débouche sur une économie de la pénurie. Donc, on manque de tout. OK, on va manquer de travailleurs, mais on va pas manquer que de travailleurs. On va manquer de pièces détachées, on va manquer de biens de consommation, on va manquer de tout. Et donc, vous avez tous en tête ces files d'attente de gens devant les grands magasins qui attendent, ou devant les petits magasins, devant une boulangerie, etc., pour acheter quoi que ce soit. Et donc, dans cette société, les gens avaient tous de la liquidité dans les mains, et ça leur brûlait les mains, la liquidité. Ce qu'ils voulaient, c'est tout de suite convertir en biens physiques. Il valait mieux avoir des chaises, même si on n'en avait pas besoin, parce que ça, au moins, c'est existant. Alors que le fait d'avoir de la monnaie, de ne pas pouvoir la dépenser, ça, c'est un problème. Alors, mais en t'écoutant… Si on parle avec l'Ouzbékistan dans les années 2000, ils ont à la fois rien, ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas grand-chose dans les magasins. Bah, c'est là que je voulais en venir. Alors, avec quoi les gens se promènent? C'est des sacs en plastique. Je veux dire, toujours avoir un énorme sac en plastique avec soi. En Bulgarie. Au cas où je trouve une affaire à prendre, au moins, je peux… Ben oui. Absolument, parce qu'il vaut mieux avoir un bien physique dans un monde d'économie de la pénurie que de l'argent qu'on ne peut pas dépenser, qui est de l'épargne forcée en quelque sorte. Sauf que ce qui est frappant, évidemment, c'est l'effondrement, et c'est quand on passe de l'autre côté du miroir. Et donc là, alors on va retrouver la mémoire que tu as évoquée au début, qui était un concept intéressant, mais par contre, ce qui va se passer, évidemment, c'est que là, d'un seul coup, il va y avoir des biens partout.
d'un seul coup, il va tout y avoir. Les marchés, les magasins vont être remplis, etc. Sauf que quand tu vois les prix, tu vois que plus personne ne peut rien acheter. Hein, vu au prix auquel c'est vendu, toute l'épargne momentanément disponible est absorbée immédiatement, puis après, il n'y a plus rien. Et donc là, on est dans une autre situation, dans une situation où il n'y a plus d'argent. Il y a plus d'argent qu'on peut dépenser, d'autant qu'en plus, je te dis pas les moments d'hyperinflation, ça va provoquer une hyperinflation, ce changement dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, ça va être un truc complètement incroyable où d'un côté, les salaires sont bas, inexistants. Les gens d'ailleurs en sureffectif dans les entreprises publiques sont licenciés à mesure qu'on privatise les entreprises. Donc, on va avoir une sorte de chômage, je sais pas comment l'appeler, chômage transitionnel, transformationnel, enfin un chômage lié au changement de système, à l'effondrement. On va avoir des plateaux d'inflation qu'on appelle, nous, les économistes, plateaux d'inflation inertielle. Bref, la monnaie devient rare puisque plus personne n'a de salaire pour payer les choses. Et là, on va sombrer dans quelque chose d'absolument abominable, quoi. C'est-à-dire que là, au nom de la monnaie, on va faire subir aux gens des choses terribles. C'est là que je voulais en venir avec toi. C'est que donc là, il va y avoir des institutions internationales, alors qui en plus, il se trouve que de manière très opportune, elles ont codifié ce que c'est qu'une bonne économie de marché fonctionnelle. Là, je fais référence à un papier de John Williamson au sujet du consensus de Washington en 1989, donc qui codifie plein de règles spécifiques de bon fonctionnement de l'économie de marché. Et ces institutions du consensus de Washington, et en particulier le FMI et la Banque mondiale, vont intervenir ensuite dans les pays d'Europe de l'Est. Et plus ils sont endettés, plus ils interviennent. Donc la Bulgarie, après la Pologne, c'était le numéro 2 pays le plus endetté. Et donc là-dessus, ils mettent une thérapie de choc absolument terrible, avec une vision du changement qui est assez linéaire, je dirais. Il faut stabiliser, parce que c'est l'hyperinflation, c'est le désordre, donc il faut mettre de l'ordre, il faut stabiliser. Donc politique de stabilisation du FMI, que le FMI avait déjà testé depuis les années 80 en Afrique et en Amérique latine. Politique d'ajustement structurel. Et donc bon, bah, tu connais mieux que moi ces politiques, hein, Monique. Et mais apprentissage, si... et apprentissage de l'argent par les gens. Je veux dire, des leçons, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Moi, je me rappelle très bien en Ouzbékistan, encore une fois, dans les années 2000, on enseignait aux gens, et ça passait par des intellectuels qui avaient fondé des ONG, et ils devaient enseigner aux gens comment vous allez payer votre gaz, comment vous allez payer votre électricité, je veux dire, qu'est-ce que vous devez faire avec l'argent? C'est-à-dire que là, effectivement, il faut. Alors, c'était des gens de l'ex-Union soviétique, mais on a des cas beaucoup plus radicaux. Ça me rappelle le Laos, en fait, dans les zones en travaillant avec des cadres du Parti communiste, donc dans les années 90, et des cadres du Parti communiste qui venaient de la zone donc de militance, hein, de la zone Ho Chi Minh, et qui avaient vécu sans argent et qui avaient vécu en prenant tout simplement ce dont ils avaient besoin sur le dos des paysans, littéralement. Hein. Et à ce moment-là, ces gens-là, arrivant, devenant salariés dans une entreprise qui se convertissait au marché, qui devenait capitaliste, ces gens-là ne savaient absolument pas quoi faire de l'argent. Et je cite enfin une femme avec qui, je veux dire, j'avais vraiment découvert un type de fonctionnement. C'est une femme d'une cinquantaine d'années. Et en fait, c'est la première femme qui était donc cadre du Parti communiste, qui avait été une grande militante du parti dans la période pré-révolutionnaire, et qui l'a dirigé le parti dans cette usine. Et c'est la première qui m'a emmenée donc à voir sa médium et ses génies. Et c'est là où je l'ai vue. Elle expliquait qu'elle n'avait pas su quoi faire de l'argent, qu'il avait fallu l'apprendre, mais c'est là où je l'ai vu donner son argent, donner l'argent de l'usine, donc à la médium, et essayer d'avoir auprès des génies une bénédiction, ou en tous les cas, une sécurité qu'elle ne ressentait pas dans la période de transformation intense, en tous les cas, que subissait la hausse avec cette conversion au capitalisme. Du coup, comme tu parles d'elle, ça me fait penser à la deuxième partie de ta présentation tout à l'heure, où tu as parlé du genre aussi et du statut des femmes par rapport aux hommes. Ouais. Pardon. Eh bien, je l'ai aussi vu en Bulgarie, cette transformation, alors que dans la période d'avant, finalement, chacun avait son salaire, chacun avait son travail, et comme je te l'expliquais, il y avait pénurie de travailleurs, donc tout le monde avait du boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je dirais que, d'une certaine manière, la femme était l'égale de l'homme, en quelque sorte, au moins dans la dimension productive et créatrice. Bon, j'ai une copine qui a bossé, qui a fait une thèse à Rennes Paillet sur les inégalités,
Et il y avait aussi des inégalités hommes-femmes, malheureusement, y compris dans ces systèmes. Mais bon, ce qui se passe, c'est qu'avec l'effondrement du socialisme, là, ce que tu as décrit, alors je ne sais plus si tu l'as décrit pour l'Ouzbékistan, pour tes deux collègues professeurs, moi, oui, je l'ai vraiment... C'était l'Ouzbékistan. Je l'ai vraiment observé aussi en Bulgarie, où là, Monique, j'ai été sensible à ça, alors que même d'un point de vue vestimentaire, il y avait une certaine homogénéité homme-femme du temps du socialisme. C'est la rupture totale. Les nouvelles générations, les filles sont hyper féminines, mais enfin, non, c'est pas ça que je veux dire, pas hyper. C'est-à-dire qu'elles adoptent des styles. Non, tu as tout à fait raison de dire hyper féminine. Et je veux dire, si on analyse, en fait, bon, les analyses qui ont été le plus faites, à mon avis, sur cette thématique, c'est sur la Chine, hein, parce qu'il y a effectivement des professeurs d'université qui ont 60, 70 ans, qui se sont dit, il faut absolument que j'arrive à théoriser ce qui s'est passé entre le moment où j'avais 20 temps la période maoïste et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ma belle-fille et avec mes petits-enfants. Mais effectivement, je crois qu'il faut souligner qu'on est passé d'une égalité, enfin il y avait une politique d'une égalité relative, hein. Relative, mais qui était assurée par le travail des femmes, mais surtout par les systèmes collectifs d'éducation des enfants. Hein. Absolument. Je veux dire, les crèches, c'est fondamental. Je veux dire, là, je lisais Le Monde ce soir où on disait que c'était les femmes qui avaient le plus, je veux dire, sur lesquelles la pandémie avait le plus, avait le plus pesé. Et on parlait du Canada. Effectivement, il n'y a pas de crèche. Donc, les femmes se sont retrouvées véritablement je veux dire, dans une situation dramatique. Donc, et si on revient donc sur ces analyses qu'on peut faire, on est passé donc d'une relative égalité homme-femme à une hyper-féminisation. Absolument. Dans ces pays-là, mais une hyper-féminisation, je dirais que, et c'est là où peut-être on peut amorcer ce qui se passe aussi chez nous, hein, avec, bon, je dérive autoritaire du capitalisme financier, je veux dire, je pense qu'il faut revenir là. Attends, on va y arriver à la deuxième question. Conclue celle-là, et puis on va faire poser la deuxième question. Mais ce que je veux dire, c'est que cette hyper-féminisation, on la retrouve, y compris dans nos sociétés et en France, à travers cette accentuation d'une supposée vulnérabilité extrême des femmes. C'est-à-dire qu'on ne cesse de ramener les femmes à une condition de vulnérabilité. Alors que si on regarde ce qui s'est passé dans les pays communistes, que je ne veux pas défendre, ça serait parfaitement absurde, mais si on regarde ce qui s'est passé, je veux dire, il s'agissait pour les États-partis en fait, de donner de la force aux femmes. C'est ça. Mais non pas de les rendre et non pas de les mettre dans une situation de conscience de vulnérabilité. Donc, je pense qu'effectivement, cette différenciation, il faut absolument la faire. Et en employant le terme de féminité, tu avais tout à fait raison. Merci, Monique. C'est la féminité du 19e siècle. Écoute, je pense qu'on est prêt pour la deuxième question. Bon, d'accord. Le capitalisme financier, ouais, c'est une bonne question. En fait, ce qui est intéressant avec cette question, l'adjectif qu'on colle à capitalisme. C'est, en fait, on voit que le capitalisme, c'est quand même pas quelque chose de figé. C'est peut-être d'ailleurs une des erreurs des premiers réformateurs libéraux issus du consensus de Washington qui venaient en Europe de l'Est et qui disaient tout de suite, on sait ce qu'il faut faire, on sait où on doit aller, etc. Faux. Le capitalisme, c'est déjà lui-même une forme qui évolue dans le temps. Et peut-être c'est ça qui me distingue de Marx. Marx, il y a quand même un côté déterministe, il faut que ça s'effondre à la fin, etc. Moi, je pense qu'en réalité, le capitalisme, en fait, il change, il mue, il évolue régulièrement, et il va peut-être pas s'effondrer. Ou alors, s'il s'effondre, c'est pas forcément à cause des lois déterministes que Marx avait annoncées. Alors, le capitalisme, effectivement, il est dans sa phase financière. Sa phase d'avant, c'était quoi? C'était, comment je pourrais l'appeler, le régime d'accumulation fordiste. Hein, le régime d'accumulation fordiste, on va dire que il était basé sur le crédit bancaire, sur un rapport salarial, alors post-tayloriste, c'est-à-dire tayloriste certes, mais post-tayloriste, c'est-à-dire que les salariés, non seulement ils avaient un métier pénible, mais ils avaient quand même un salaire qui montait un peu, ils avaient des conditions de logement qui s'amélioraient, ils bénéficiaient d'un meilleur partage des gains de productivité, d'un système de protection sociale qui se mettait en place. Et tout ça, ça a donné un système de consommation de masse où, je le résume un peu, on avait de la production de masse, de la consommation de masse
Et puis entre les deux, bah, finalement, par la force des choses, de la distribution de masse ou de la grande distribution, tu vois, et ça faisait un cercle dans les cours d'économie, c'est comme ça qu'on nous enseignait. Bon, bah, ça, c'est en train de basculer dans autre chose. Et ce autre chose, c'est la dimension financière. C'est cette dimension un peu artificielle dans laquelle la monnaie se nourrit d'elle-même, en quelque sorte. Tu vois, et elle a ses valeurs propres, ses conventions, ses représentations propres. Et puis, dans cette logique folle de course, j'allais dire à l'accumulation, mais c'est plus au bénéfice de la course à la valorisation extrême, eh bien, on a des déconnexions qui se font, des éclatements de bulles financières, et il y en aura à répétition et de plus en plus. Alors, on pense tous à la bulle des subprimes, qui on peut la prendre comme une des caractéristiques de ce capitalisme financier, mais ce capitalisme devient de plus en plus instable. Et enfin, dans la question, il y avait aussi autoritaire. Oui, et bah du coup, il fait preuve d'autorité, hein, ou d'autoritarisme, puisqu'il va imposer sa vision, les marchés financiers, disons, vont imposer leur vision de la performance au reste de l'économie, notamment de l'économie réelle, où il y a des êtres humains réels. Voilà. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est pas pérenne. On sent que ce capitalisme-là, il va être bancal, fragile. Alors, je vais te donner la parole, puis après, je vais peut-être comparer avec ce qui s'est passé à l'Est, et on va voir qu'en fait, les expériences sont pas du tout les mêmes, que c'est pas comparable. Mais encore une fois, il est pas exclu que ce capitalisme-là, alors soit s'effondre, soit lui-même très rapidement cède la place à autre chose. Alors, tout à fait d'accord avec toi, sauf que l'effondrement du capitalisme, moi, je suis loin d'en être persuadée, et je pense plutôt qu'on va sur des systèmes de métamorphose, hein, permanente, comme tu disais, et je veux dire de reconversion, etc. Sauf que, je veux dire, il y a dans la tête des gens, et surtout, je veux dire, de plus en plus, de manière médiatique, l'idée qu'on atteint des limites. Mais en fait, on a une idéologie des limites. Hein. Je veux dire, parce que si on confronte cette idéologie des limites à, que ça soit les limites de l'environnement ou que ça soit les limites de la financiarisation ou les limites du marché, je veux dire, si on confronte cette idéologie des limites qui nous est assénée en permanence. Hein, j'aime bien quand tu utilises ce verbe. Ça ressemble à mon prénom. Donc, il nous est asséné en permanence. Je veux dire, dans la réalité, les limites sont de manière permanente franchies. Hein. En particulier, je veux dire, ça, tu le dirais 10 fois mieux que moi en tant qu'économiste, mais sur la question environnementale, la pandémie, je veux dire, prenons l'exemple de Total, prenons l'exemple, je veux dire, bon, on peut prendre plusieurs exemples de grandes entreprises. En fait, je veux dire, il n'y a pas du tout eu l'injonction idéologique à ne pas dépasser des limites, à se reconvertir dans du vert au niveau de la finance, à se reconvertir dans des énergies qui consomment moins, etc. Je veux dire, on voit très bien que tout ça a été du baratin. Donc, on est obligé de toujours garder à la fois un œil sur la dimension idéologique de la limite et puis sur le fait que le capitalisme, pendant ce temps-là, poursuit tranquillement sa métamorphose et se fout radicalement de franchir ses limites. Alors, sur l'ouverture à « est-ce comparable la dérive autoritaire ?» Je ne sais pas, est-ce qu'on doit vraiment parler de dérive autoritaire ? C'est compliqué, en fait, d'employer le terme de dérive autoritaire, à mon avis. Je veux dire, parce qu'on a, plus exactement… un effet, je pense, de numérisation généralisée, hein, qui effectivement donne des messages, le numérique donne des messages de plus en plus simples, en fait, de plus en plus dichotomiques, les opinions sont de plus en plus tranchées, et en même temps, les messages qui sont transmis par l'image, en fait, décomplexifient la réalité. Donc, c'est… Je veux dire, si on doit parler d'autorité et d'autoritarisme, c'est véritablement de nouvelles formes, à mon avis, de pression. De nouvelles formes de pression sur les gens, sur la subjectivité, à partir du captage de l'attention, à partir des formes du désir, à partir aussi, je veux dire, si on va dans la subjectivité, à partir de la transformation de la sexualité et des sexualités, je veux dire, comme devant automatiquement passer par la dimension spectaculaire, etc. Donc, je ne suis pas sûre que le terme de dérive autoritaire soit exactement adéquat.
Ouais, plus... je veux bien l'admettre, ça. Oh, ouais, je suis d'accord avec toi. L'incorporation, en fait. Je veux dire, il y a des logiques d'incorporation de messages qui sont balancés dans le monde entier au même moment, qui sont réceptionnés de manière différente, mais qui exercent des directions sur les gens, enfin qui donnent des injonctions et qui exercent des directions. Donc c'est pas véritablement de l'autoritarisme. Et c'est des nouvelles formes de pression. Ouais. Et je pense que ça a strictement rien à voir. C'est pas comparable avec ce qui s'est passé à l'Est. Pas du tout. Et moi, je vais trouver un point de ressemblance, mais vas-y, donne ton argument. Je pense que c'est pas comparable parce que on est passé. Ce qui s'est passé à l'Est, ça a été en fait une déliaison, en quelque sorte, des collectifs. Hein. Je veux dire, des collectivités, des collectifs, etc. Je veux dire, avec de plus en plus, donc avec l'entrée dans le capitalisme, dans des itinéraires de subjectivation individuelle. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ces formes de pression qui sont de plus en plus fortes à travers la numérisation du marché, la numérisation marchande, au contraire, on aurait des logiques qui sont quasiment d'homogénéisation, avec des injonctions où les gens doivent remplir tel et tel type de normes. Encore une fois, bon, moi, je suis forcément, enfin, je veux dire, la question homme-femme, en fait, elle a jamais été au centre de ce que je faisais dans mon travail, mais elle traverse l'ensemble de mon travail. Et je suis très sensible aujourd'hui au fait, quand je compare les différentes périodes, ne serait-ce que pour ma génération, à quel point, je veux dire, il y a beaucoup plus de normativité de genre dans un moment où, soi-disant, précisément, on est dans une période où les politiques de public d'égalité de genre visent à sortir des schémas et des stéréotypes. C'est-à-dire, on est sur des logiques complètement contradictoires entre des objectifs idéologiques qui sont donnés et ce qui se joue réellement chez les gens avec ce qu'ils réceptionnent comme normes. Ouais, je pourrais pas répondre à tout ce que tu as dit. Par contre, je reviens sur la première partie de ta présentation, la question des limites. Quand je t'ai entendu lire, c'était le mot qui me manquait en fait pour exprimer ce que je voulais dire. Regarde, je reviens un tout petit peu sur le cas de l'effondrement, puisque la question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est comparable aussi à ce qui s'est passé à l'Est. L'effondrement du socialisme en Europe de l'Est, par exemple, j'ai commencé à l'expliquer par le paternalisme de l'État, la contrainte budgétaire molle, hein, au sens de Corneille, et puis ensuite le fait que les entreprises, elles ont une soif illimitée de tout, vu qu'elles sont pressurisées en plus par les objectifs du plan, et donc elles en finissent par épuiser tout. Et donc, on a une pénurie de ressources, on a une pénurie de tout ce qui est disponible pour produire. Et ce système qu'on pensait inébranlable, basé sur une autorité bien cimentée, etc., et d'un seul coup, voilà qui se délite du jour au lendemain, qui s'effondre. Alors, j'en ai une explication là, économique, j'en donne bien sûr, il y a d'autres explications de l'effondrement, mais tu vois, ils ont atteint le mur des ressources, d'une certaine manière. Ils ont tout épuisé avec leur système. Et du coup, j'en viens à ce que tu disais, toi, avec le mur écologique, en quelque sorte. Tu vois, le capitalisme financiarisé, qui pense qu'il pourrait s'effondrer ? Personne. En plus, maintenant, il est hégémonique, il n'y a plus le système alternatif en face pour lui tenir tête. Et bon, donc, on est un peu dans la même logique qu'à l'époque, dans les années 80 ou 70, en se disant, mais non, ça ne s'effondrera jamais, l'URSS. Oui, sauf que là aussi, il y a un mur. Il y a un mur écologique et il se trouve que bien qu'on ne fonctionne pas avec la planification centralisée et tout ce que tu veux et tout le tatata que j'ai décrit tout à l'heure, n'empêche, l'essence même du capitalisme, sa logique, elle est fondée sur l'accumulation. Il faut toujours accumuler, toujours accumuler. Alors avant, ça se faisait dans le régime fordiste, ok, très bien, avec l'économie réelle, mais maintenant, ça se fait dans le régime financier, mais on s'en fout. Il faut toujours, toujours, toujours accumuler. Et donc, le point commun que je vois pour vraiment répondre à la question, c'est que quand même, il y aura quand même le mur des ressources à nouveau. Alors, ça sera le mur écologique, appelons-le comme on veut. Et celui-là, bam, celui-là, on ne pourra pas le passer. Et donc là, je vois, c'est peut-être pas de là que viendra l'effondrement du capitalisme financiarisé. S'il advient un jour, bien sûr, ça se discute aussi. Mais en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas produire, accumuler à l'infini, en quelque sorte, dans un monde qui lui-même, du point de vue du globe terrestre, est quand même fini, du point de vue de ses ressources. Donc là, je vois un point commun éventuel
de l'évolution du capitalisme. Après, ce que tu as dit, évidemment, je le partage, hein, j'ai pas grand-chose à ajouter sur cette dichotomie qui existe entre objectif et normativité qui augmente du genre. Je partage ton point de vue. Tu veux qu'on passe à la question suivante ? Oui, passons à la question suivante. Allez, question suivante. La Chine, Monique. Alors, la Chine, c'est tout de même. Alors, moi, ce que je voudrais dire sur la Chine, puisque c'est en fait, ça a été le dernier terrain sur lequel j'ai travaillé et que je continue à suivre de manière régulière. La Chine, c'est le modèle hein, de l'ensemble des États partis communistes qui restent en vigueur, y compris pour la Corée du Nord. Hein. C'est-à-dire, c'est le modèle qui est lancé à la fin des années 70 en disant on conserve un État parti communiste, on conserve un parti communiste qui effectivement surplombe l'État dans la vieille tradition. Le parti est au-dessus de l'État, y compris d'ailleurs dans les entreprises. Hein. Faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, y compris dans les entreprises chinoises, le parti est toujours au-dessus de l'État. Et en même temps, on passe à une ouverture au marché, un capitalisme absolument ouvert et totalement développé. Et surtout, dernière étape, on passe à une numérisation généralisée, en particulier des paiements. Hein. Donc, on est véritablement sur le modèle. Alors, sur le modèle de l'ensemble de cette zone qui reste, entre guillemets, communiste. Alors, je crois que ce qui est important à voir, c'est qu'en même temps, je veux dire, bon, j'étais partie, moi, au départ, de dire, de cette hypothèse, hein, qui est de dire la pratique et la représentation de l'argent est véritablement liée à la figure imaginaire de l'État et la figure réelle de l'État. Or, ce qui fait la différence de la Chine avec, disons, le Laos, le Vietnam, etc., c'est qu'on est là dans une société qui a connu l'État, qui bien avant l'État parti communiste, a une dimension forte de l'État sur la société et une dimension extrêmement forte de la représentation de cet État comme, disons, comme dimension statutaire. Hein. Je veux dire, je me rappelle toujours je pense à un récit d'un paysan chinois disant, s'adressant à l'État. Toi, l'État, dans une période de famine, toi, l'État, tu ne peux pas me laisser mourir de faim. C'est-à-dire non pas les notables, non pas les exploiteurs, etc., qui sont autour de lui, mais toi, l'État. On dirait la même, disant la même chose d'ailleurs au moment des famines provoquées par Mao, etc. C'est-à-dire qu'on a une dimension de l'État qui traverse absolument toute la société et qui, à mon avis, explique que les pratiques et les représentations de l'argent, globalement, aujourd'hui, en Chine, sont véritablement parfaitement fluides. Et encore une fois, on a vu, hein, dès qu'il y a eu ouverture au marché, on a vu l'ensemble des gens boursicotés, hein, se saisir de leurs ordinateurs, tenter de gagner, d'avoir des petits gains à la bourse, c'est-à-dire une individualisation des pratiques de l'argent, du gain de l'argent. Dès que l'État a autorisé cette réintroduction de l'argent et cette réintroduction générale des inégalités entre les différents statuts. Et d'autre part, on a donc une situation où, je veux dire, ça passe. On est, j'allais dire, on est dans une modernité. Le terme de modernité convient absolument pas. Mais on est dans un capitalisme qui a financiarisé, qui de fait est à la limite beaucoup plus développé que le nôtre en Europe aujourd'hui. Hein. Je veux dire, ne serait-ce qu'avec la facilité du paiement par le smartphone. Et en même temps, je veux dire, cette pratique hyper individualisé de l'argent, du gain et du paiement, va avec un système de surveillance de l'État qui est extrêmement forte. Et j'ai vu que tu as donc noté que la question note le crédit social. Le crédit social, c'est effectivement, je veux dire, la transformation, disons, des normes de comportement des individus, telles qu'elles étaient définies par le système communiste autrefois, telles qu'elles sont définies aujourd'hui par l'État parti, cette transformation en crédit.
c'est-à-dire unité de valeur pouvant absolument être comparée à des unités de valeur monétaire. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on parle de crédit social. C'est exactement comme on parle de crédit monétaire, comme on parle de crédit d'argent. Donc, c'est ça qui, à mon avis, fait tout l'intérêt de l'exemple chinois et en même temps toute son originalité. Hein. Ouais, je vais prolonger aussi ce que tu as dit avec parce qu'il y avait aussi la fin de l'hégémonie du dollar éventuellement. Oui. Mais je reviens un peu sur ce que tu as dit, c'est intéressant, puis peut-être tu peux réagir aussi à ce que je dis. Tu as dit qu'effectivement, d'abord, attends, j'ai une question à te poser. La Chine, du coup, c'est toujours un pays communiste ? Bah, c'est un État parti. Enfin, je veux dire, bon, moi je prends communiste au sens non pas utopique ou… Non, on l'a bien compris, oui. Au sens littéral, c'est gouverné par un État parti communiste aujourd'hui. C'est le Parti communiste qui gouverne la Chine, c'est le Parti communiste qui gouverne le Vietnam, la Corée du Nord, le Laos. On est d'accord. C'est pour revenir à Bernard Chavon. Dans le communisme, dans le terme de communisme, hein, dans ce contexte constructif. Voilà. Quand Bernard Chavon s'étudie les réformes à l'Est, je t'avais dit il y avait deux éléments qui ne changeaient pas, c'était le parti unique et la propriété étatique ou collective des moyens de production. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui existe encore en Chine. Donc au moins du point de vue du socle institutionnel, même si tout le reste a évolué, ça reste un pays. Alors moi, je l'appelle socialiste, on peut l'appeler communiste, mais pas au sens utopique du terme. Voilà, et donc c'est assez troublant hein, parce qu'effectivement, il a l'odeur, la saveur du pays socialiste, mais pourtant, la Chine est membre de l'OMC, la Chine joue le jeu du commerce international, mais pas tant que ça en même temps, parce qu'en même temps, elle n'hésite pas à faire du protectionnisme. Ce que je constate aussi quand je regarde les statistiques du commerce international, ce que je vois, c'est que, tu sais, la mondialisation, on peut aussi la définir par ce qu'on appelle, nous, les économistes, la dispersion des chaînes de valeur. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à produire un objet chez toi, dans ton pays ? Bon, bah, la chaîne qui permet de donner de la valeur à cet objet, qui permet de le produire, on appelle ça la chaîne de valeur, eh bien, toutes les entreprises, clients, fournisseurs, sont toutes dans le même pays. Et d'un seul coup, si tu exploses ça et tu le fractionnes et tu l'envoies dans tous les pays du monde, tu dis, voilà, ça, c'est la mondialisation. Donc, tu peux mesurer la mondialisation en mesurant le fractionnement des chaînes de valeur. Ou pour le dire en termes plus empiriques, tu pourrais par exemple prendre l'échange international de biens intermédiaires, c'est-à-dire les fameuses pièces détachées, et tu les divises par le total du commerce mondial. Et comme ça, tu vois si les chaînes de valeur, si ce ratio augmente, les chaînes de valeur augmentent, enfin la mondialisation augmente. Si ce ratio diminue, la mondialisation diminue. Et quand tu le calcules pour la Chine, c'est ça qui est troublant. C'est depuis le début des années 2000, tu vois. Eh bien, ce ratio baisse pour la Chine. C'est-à-dire que, comment te dire? Je dis pas que la Chine sort de la mondialisation, pas du tout, mais elle devient moins un atelier du monde qu'avant. C'est peut-être parce qu'on est en train de passer. Oui, tu veux réagir? Bien sûr, oui. Elle n'est plus un atelier du monde. Ben voilà. Il faut aussi comparer le fait qu'elle n'est plus un atelier du monde dans le fait qu'elle est aussi partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle a conquis l'Afrique du Sud, elle a conquis l'Asie. Je veux dire, alors les pays d'Asie autour d'elle, avec les États partis, elle les a conquis, elle a formé leur cadre et elle a formé leur système économique et leur système politique, mais là, elle est partout. Ben oui, oui. Et alors, je complète ce que tu dis. Je complète. Donc, elle est partout, tu l'as dit, avec le rôle du parti. Elle est partout économiquement aussi. Mais c'est ça, économiquement, je veux dire, elle est partout. Ah oui, d'accord. L'Afrique. Elle rejaillit en Afrique, la retrouve dans mes pays à moi. C'est extraordinaire en Amérique du Sud. Oui, oui. Alors, elle va investir, elle va faire construire des infrastructures, elle va donner du crédit. Il y a une initiative en Europe de l'Est, l'initiative 17+1. C'est Xavier Richer qui a publié un article récemment dans Regards sur l'Est sur ce sujet. L'initiative 17+1, c'est la Chine, elle est en train de rentrer en Europe, dans l'UE même, par les pays d'Europe de l'Est, en leur finançant des infrastructures. Et puis ceux qui peuvent pas rembourser, finalement, la Chine s'approprie l'infrastructure. Elle l'a déjà fait en Afrique, elle le fait aussi en Europe de l'Est. L'université, la plus grande université d'Europe sera construite en Chine, en Hongrie. Et voilà, c'est ça. C'est la direction d'Orban. Bon, ça va être. Et il prévoit de faire une ligne de train pour acheminer directement les gens en Hongrie. Ce qui est, ça relève de cette fameuse initiative.
voilà, je pense vraiment que le monde futur est chinois. Et alors, attends, je vais encore aller plus loin, puisque finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas un peu l'hégémonie du dollar qui est remise en cause ? Bah, figure-toi que si, en réalité. Bien sûr. Notamment, Bien sûr, rien n'est sûr dans ce que je dis. Mais simplement, les Chinois, profitant de cette numérisation dont tu as parlé et pour laquelle ils sont quand même très avancés, et les humains, enfin les Chinois se sont appropriés cette numérisation, eh bien, ils se sont lancés tête baissée dans le projet de crypto-yuan. Je ne sais pas si tu en entends parler. Je te laisse sur le crypto-yuan. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à dire, mais ça fait depuis longtemps déjà qu'ils en parlent, mais ils l'ont même annoncé au sommet des BRICS en 2019. Et les Russes ont embrayé en disant bah oui, nous on est intéressés par soit un crypto yuan qui serait développé avec les Russes, soit carrément un crypto rouble, soit une crypto monnaie qu'on appelle monnaie digitale de banque centrale, une MDBC, qui serait carrément supranationale et qui chapeauterait tout l'ensemble des BRICS. Mais attends, regarde, avec ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent en place des systèmes de paiement qui vont concurrencer les virements SWIFT, par exemple. Ça, c'est une organisation américaine, tu vois, pour payer. Le SWIFT, si tu ne connais pas, c'est pour quand tu payes tes transactions à l'international. Bon, bah là, on va avoir des systèmes de paiement qui passent par la Chine, avec ou sans crypto-yuan, d'ailleurs. Ils vont aussi essayer de concurrencer d'autres formes d'hégémonie monétaire, par exemple le franc CFA. Donc, ils vont aller vers l'Afrique et ils vont essayer de réinclure dans le système du crédit et de la monnaie, grâce au crypto-yuan, des gens qui, dans les communautés du franc CFA, sont complètement exclus du système bancaire. Tu vois, d'où la grande peur de la Banque de France même. La Banque de France est la première qui pousse au sein de la zone euro à créer un crypto-euro. Parce que sinon, la France voit que son hégémonie monétaire, entre guillemets, va être contestée par la Chine, notamment par ses procédés de crypto-yuan. Alors après, il y a des problèmes techniques, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Ça fait depuis longtemps qu'ils en parlent en Chine. Ils n'ont toujours pas lancé. Ils ont fait des expérimentations ici et là parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner. Est-ce que les agents, les citoyens auront directement un compte à la banque centrale chinoise, ou est-ce qu'il y aura tout le temps un système bancaire intermédiaire en quelque sorte, et il y aura des réseaux de crypto-yuan entre banque centrale et banque commerciale, et derrière il y aura tout le temps le yuan normal. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas réglées à vrai dire, mais là on est avec la Chine sur de l'innovation majeure, quoi. Oui, et puis ce qu'il faut voir, à mon avis, hein, cette future hégémonie de la Chine, qui pour moi est quelque chose d'absolument certain, et qui balaye, qui rend complètement obsolète les anciennes puissances occidentales et américaines, elle s'appuie beaucoup sur de la séduction aussi. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en Afrique, il y a de la séduction. Alors, bon, je pense que la sexualité, encore une fois, est un miroir grossissant d'énormément de faits sociaux et de phénomènes sociaux. Donc, je donne juste un exemple. Patience Billigatolan, qui est dans notre laboratoire et qui avait fait sa thèse avec moi, l'avait fait sur les prostituées chinoises au Cameroun. Ah oui. À Douala et à Yaoundé. Elle l'a publié d'ailleurs, c'est un livre que je signale au passage. Et en fait, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que au-delà de cet envahissement chinois économique au Cameroun, de cette prise d'intérêt, etc., je veux dire, cet envoi de prostituées réellement, hein, c'est des envois tout à fait par des chaînes très claires, avec des systèmes d'endettement de la part auprès des familles chinoises, et je veux dire, ces prostituées séduisaient de manière extraordinaire les hommes camerounais. Et donc, il y avait sur le marché de la concurrence prostitutionnelle, il y avait une baisse de valeur des prostituées camerounaises. Et donc, là, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que l'emprise économique était en fait sous-tendue aussi par une emprise dans le désir. De séduction. Un nouveau mode de séduction. Et là, c'est un cas extrême, mais je crois qu'il faut toujours penser les choses à la fois dans la manière dont elles sont perçues vraiment par les gens et dans leur dimension économique, ce qui revient à notre type de à notre dialogue aujourd'hui en tous les cas. Écoute, on est dans les temps. Je te propose de passer à la dernière question. Oui, oui. Alors la dernière question. Attends. Bon, Monique, dystopie ?
dystopie, moi, je suis pas très… je dois dire que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse sortir du tout marché, hein, dans lequel… du tout marché numérisé surtout, hein, dans lequel on est de plus en plus plongé. Moi, ce que je vois, c'est une emprise de plus en plus forte du marché qui s'empare, en fait… de toutes les zones qui sont considérées comme des zones d'autonomie alternative, en quelque sorte. Les modes de gestion s'emparent de ces zones d'autonomie et je vois mal, en fait, comment on pourrait sortir de ce tout marché, dans la mesure où on est dans des marchés qui sont généralisés et, encore une fois, qui ont complètement pénétrer les subjectivités, à la fois au niveau du corps, de la beauté, de l'amour, de la charité, du désir, de la valeur, des émotions, des sentiments, etc. Donc, comment on peut imaginer qu'on retire, alors je reviens sur l'argent et non pas sur la monnaie, comment on peut imaginer qu'on retire à l'argent sa séduction alors qu'il est devenu l'objet absolu du désir auquel tout se mesure? Je suis pas très utopiste, en fait, sur ce dystopie, je les vois mal, y compris dans toutes les expérimentations, hein, mais ça, on en a déjà discuté, il y a eu plusieurs débats là-dessus, d'en prenez place, hein. Je sais pas moi, le modèle local, etc., comme alternative. Mais j'aime bien ton idée du fait que le marché s'insinue partout. Moi, je vais plutôt parler de capitalisme. Tu vois, la question que comment je comprenais cette question, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager là, dans l'immédiat comme évolution possible du capitalisme. Et pour moi, j'en reviens encore à ce que je te disais, hein, la fondation même du capitalisme qui consiste à accumuler du capital. Et cette accumulation de capital, de mon point de vue, hein, elle n'a pas de limite intrinsèque. Elle va comme une machine folle. Tu vois, là, par exemple, j'essaie de réparer une petite fuite chez moi et à chaque fois que je fais couler de l'eau, j'ai beau utiliser toutes les techniques possibles, il y a tout le temps des gouttes qui sortent. Mais c'est un peu ça que je veux dire. Pour moi, le capitalisme, il est liquide. Tu vois, il s'assigne partout. Là où tu dis capitalisme, moi, je dis marché, mais on dit exactement la même chose. Je sais, on dit la même chose. En fait, on emploie d'autres mots pour dire exactement la même chose. Regarde, je te prends des exemples. On a dit économie collaborative, c'est génial, on va se prêter les choses entre nous, ça va fabriquer de la valeur entre nous, c'est de pair à pair, etc. J'ai une personne que je n'utilise pas, tu en as besoin, Monique, je te la prête. Bon, résultat, Uber s'est greffé là-dessus, Airbnb, et puis le capitalisme, il a fuité là-dessus. On parle de finances collaboratives, de crowdfunding, on se dit très bien, quelqu'un porte un projet, nous tous on va lui prêter notre épargne sur une plateforme, pas de problème. Du coup, les banquiers se sont insinués là-dedans et du coup ils ont trouvé que c'était plus économique pour eux de prêter par des plateformes de crowdfunding que de prêter eux-mêmes en termes de coûts administratifs. Hop, ça s'est réinsinué. Qu'est-ce que je peux te prendre comme troisième exemple? On n'arrête pas de parler de crypto-monnaie, d'en prenez place. Bon, ok, très bien, pas de souci. Mais regarde ce qui s'est passé, c'est que les banquiers qui avaient normalement été ceux qui étaient visés par le projet de Satoshi Nakamoto de création du Bitcoin, eux, ils ont extrait la blockchain et ils se sont dit « Waouh, c'est vachement bien cette blockchain. Allez, et on va la faire tourner pour des monnaies bancaires traditionnelles. Et ça va nous faire des virements plus rapides, moins coûteux, des coûts de transaction réduits. » Et ça y est, le capitalisme s'est encore insufflé là-dedans. Donc, je suis partagé entre ce sentiment-là, qui est que le capitalisme, en fait, il va partout, tout le temps et tu peux pas l'arrêter. Sauf la limite ultime qui est celle de la muraille environnementale. Tu vois, mais elle, une fois qu'on se prend cette claque-là, on se relève plus. Donc, le but, c'est de le détourner avant d'y arriver. J'écoutais encore une émission tout à l'heure à la radio qui expliquait que la finance, de elle-même, elle continue de prêter aux entreprises à énergie fossile, enfin, totale, que tu as cité. Bien sûr. De elle-même, elle ne s'arrêtera pas. Et donc, et la conclusion de l'émission que j'écoutais à la radio tout à l'heure, c'était que quand même, il fallait qu'il y ait un moment, un retour de l'État et de la réglementation, finalement, et des contraintes imposées, réglementaires. Et ça, c'est le deuxième point, et j'arrêterai là. C'est ce que je lis dans la littérature, notamment liée au pays de l'Est aujourd'hui, etc., ou même dans le colloque que j'ai organisé vendredi dernier sur les 30 ans de la désintégration du CAEM. Eh bien, beaucoup d'économistes disent on assiste à un retour de l'État, d'une manière ou d'une autre, où on va assister à un retour de l'État. Je te prends par exemple Solé Strin, en utilisant des théories de l'agence, enfin ça ne nous intéresse pas ici, mais grosso modo, Solé Strin, il compare l'efficacité des entreprises publiques, ce qu'il appelle lui les state-owned companies, et les entreprises privées.
Et il dit, bah, couramment, on a tendance à penser que le privé est plus efficace que le public. Et ben voilà que Solestrine nous dit, bah, pas du tout. Ça dépend de la configuration institutionnelle de chaque pays. Ça dépend du rôle que joue l'État dans chaque pays, etc. Et donc, il en vient à dire que des fois, dans certaines situations, l'entreprise publique est plus efficace que l'entreprise privée. Ou dans le dernier bouquin de Vladimir Andreev pour les 30 ans de la transition, un bouquin collectif qu'il a publié dans chez Palgrave Macmillan, il y a un type qui s'appelle, j'ai oublié son nom, ça me revient plus, je le connaissais pas celui-là. Et lui, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, bah, c'est simple, dans les pays de l'Est dans lesquels on a complètement détruit l'État, on l'a complètement affaibli, eh ben, aujourd'hui, t'as quoi? T'as de la corruption, t'as des économies de marché dysfonctionnelles, t'as rien qui fonctionne. Et dans les pays où l'État a été sauvegardé, où il y a eu du gradualisme, où l'État est revenu en force, eh ben, bizarrement, t'as des économies de marché qui fonctionnent mieux. Et donc, tout ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand même, le capitalisme, ou plus précisément le marché, eh bien, c'est quand même un construit social, et qu'au bout d'un moment, il faut une forme étatique pour, ne serait-ce que pour sa propre efficacité du marché. Mais à mon avis, c'est là où les démocraties occidentales vont rater le coche. Je veux dire, parce que l'État est déjà, à mon avis, totalement affaibli. L'État est déjà devenu une sorte de fantoche. Je veux dire, par rapport au marché. L'État est déjà totalement sous emprise du marché. Et je veux dire, l'expérience de la pandémie, elle nous l'a bien montré. Et qu'est-ce qu'a fait l'État? Il n'a pas cessé d'utiliser des gestionnaires privés, des gestionnaires de marché auxquels il a donné des fortunes. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Gérer les tests, gérer absolument tout. L'État était réduit à rien dans cette pandémie. En plus, en France, là, le bureau de conseil, là, je ne sais pas lequel, qui a conseillé pour faire des politiques publiques. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est sur toutes les États. J'espère que tu n'as pas raison. Quand même, au fond de moi, je sais que tu as raison, mais c'est parce que je suis un garçon optimiste. En tout cas, c'est sûr qu'il faut quand même un sursaut ou un réveil des peuples, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par peuple, mais enfin, des populations, des citoyens. Des subjectivités. Il faut quand même qu'il y ait un sursaut. Il faut qu'il y ait une prise de conscience que le marché n'est rien sans un effort collectif, sans un encadrement, sans l'État. Tu vois. Mais on le réapprendra, à mon avis, avec l'hégémonie chinoise. Mais ça ne sera pas avec nos États. Ça sera avec des États, parce que, je veux dire, tout de même, la grande force de l'État parti, c'est d'avoir tenu le marché, c'est d'avoir instauré le marché, de l'avoir maîtrisé et de continuer à le maîtriser. Hein. La manière dont un certain nombre de grands entrepreneurs privés sont aujourd'hui démis par l'État parti est extraordinaire. Okay. C'est-à-dire que qui gouverne encore en Chine, c'est l'État parti. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas possible avec l'État multiparti? L'État démocratique, ça, c'est pas possible. Je crois que l'État démocratique, déjà, il est de moins en moins démocratique, mais surtout, il est plus du tout de l'État. Et la figure de l'État, prenons l'exemple de la France qui est notre pays. C'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est notre pays, la figure de l'État s'est radicalement effondrée avec cette pandémie. Là, tu vois un ministre qui manifeste contre un autre ministre. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe en France. Ça, c'est rien, mais quand tu vois un porte-parole du gouvernement qui fait un dick pic, je suis pas là, je veux dire, bon. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, la question de la démocratie, franchement, il faut qu'on l'étudie vraiment pleinement, parce qu'on risque de la perdre, en fait. On risque de tout jeter et de ce qui est le plus précieux aussi, tu vois. Oui. Eh bien, merci, Monique. C'était un plaisir de te croiser. On va rebalancer ça sur le CESMA. Bah écoute, ouais, on verra quand ce qu'elle va faire l'Emmanuel. En tout cas, je salue bien le public. Au revoir à tout le monde. Au revoir.